L'étendue de ce feu de forêt est immense. Il ravage le cœur de l'Amazonie, épargné jusque-là grâce à son isolement. Les défricheurs clandestins sont arrivés par de petites routes. Nous avons trouvé des fermiers et bûcherons venus de la région d'Humaitá. La plupart viennent de l'état de Rondônia. Ils se sont installés dans cette partie du pays et sont à l'origine de ce désastre environnemental. La surveillance et la protection de la forêt et les 21 000 habitants d'Apuí et des environs représentent un grand défi à la mesure de ce territoire dans l'état de Amazonas. L'opération Vague Verte vise à stopper les défrichages sauvages. Lors de cette opération, nous avons trouvé des concentrations importantes de sites brûlés. Ils sont très nuisibles pour la population d'Apuí à cause des énormes quantités de fumée. Autrefois préservée par la loi, l'Amazonie est menacée par la volonté du gouvernement Temer de régulariser l'occupation illégale de ce territoire.